C'est la dernière fois que vous en profiterez avant longtemps. Nicolas Mendoza. Putain. Un type comme toi, t'as dû bien merder pour atterrir chez moi. Ouais, vous feriez mieux de sécuriser votre arme avant que l'une de ces charmantes personnes ne vous la subtilise. C'est un plaisir de voir des flics pourris échouer dans mon bus. C'est une preuve que le système fonctionne. Profitez du voyage, inspecteur. Ok, c'est là. Ouais, ça devrait pas prendre longtemps. Je te propose de coffrer ces mecs et de se poser pour grailler. Ouais, d'accord. Je connais un Cubain pas trop mal, un peu plus long. Cubain, sans déconner, Nick, t'es aux mœurs maintenant. Tu peux te permettre mieux que des faillots et du riz. T'es sérieux? Des faillots et du riz? Je crois que je vais commander pour toi. Tiens, j'ai une idée, c'est moi qui choisis le resto. Hein? Je te promets, les bananes plantain, c'est définitivement terminé. T'as déjà mangé Cubain? Je crois que tu devrais mener l'opération cette fois, d'accord? Sois autoritaire, vérifie tes angles morts, trouve notre type et on les met à genoux avant que quiconque puisse sortir son gun. Ouais, j'ai déjà fait ça. Je sais, mais pas avec moi. D'accord, on y va. N'oublie pas de faire ta grosse voix. Police! On va rentrer! Personne ne bouge, personne ne bouge, mettez vos mains en évidence. Levez les mains que je vais Allez, voir. Les mains en évidence. Reculez, éloignez-vous de la table. Pas frapper à la bonne porte. Et si tu m'enlevais cette lumière de la gueule? Nick, vas-y, menotte-les, il faut qu'on se casse. Ok. Garde les mains sur la tête et tourne-toi doucement. Lentement. Reste tranquille. Tu fais une grosse erreur, mec. On est tous potes maintenant. Bon, tu vas rester planté là, allez regarder. Réveille-toi, l'heure tourne. Tourne-toi, et en douceur. C'est du grand n'importe quoi. Arrête, tu sais comme moi que c'est une putain de blague. Je serais sorti au petit matin, fic de merde, tu le sais très bien. Ah ouais? Ce petit tas de con que me dit. Ta gueule, foiré! Ah merde! C'est vite parti en vrille. Putain, c'était quoi ce bordel? T'as pas surveillé la porte? Moi, je procède aux arrestations, et toi, t'es censé surveiller la pièce. Ouais. Ok, vérifie les corps. Essaie de voir ce qu'ils étaient en train de trafiquer. Bingo. Quoi? Qu'est-ce qu'on a? Portefeuille, papier. Tu la connais? Non, cul-de-sac. Dommage qu'il n'y ait plus personne à interroger. Hé, hey, j'en avais ras le cul des burgers, alors j'ai pris Cubain. Quelqu'un a faim? Hé, hey, tu bouges plus! Poursuis-le. Oh, allez, vas-y! J'y vais! Reste où tu es! Main en l'air! Tu fais rien pour arranger les choses! Putain! Stoddard! En bas, vite!
distance et essaie de tuer personne. Faut qu'on l'arrête tout de suite. Dirige vers le nord sur Matteo. Demandons des renforts. Tourne à gauche sur Crocker depuis Matteo. Carrefour dégagé. Mixpack, agent demande des renforts à l'angle de Matteo et Crocker. Unité en patrouille répondez. Allez, accélère. Putain! Reste où tu es! On tient, fils de pute! Nick, c'est dans la poche. Sors-moi ce connard de là-dedans. Allez! Tu as le droit de garder le silence. Oh merde! Ah, tu le connais bien, ce Strumtien.